Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'alliance improbable, mais néanmoins assez intelligente, de deux grandes sagas du cinéma de science-fiction, Alien vs Predator. Ok, alors Alien vs Predator est un film américano-germano-canado-république-tchéco-britannique sorti en 2004 et réalisé par Paul W.S. Anderson, un réalisateur anglais à qui on doit notamment Mortal Kombat et plusieurs opus de la saga Resident Evil. Ouf. Alors oui, c'est pas une filmographie incroyable, mais je dois reconnaître que quelques-uns de ces films font partie de mes plaisirs coupables. Enfin bref, nous sommes donc en 2004, et avant de rentrer dans les détails, un petit retour en arrière s'impose. En 1979, Ridley Scott réalise Alien le 8ème passager, un film mi-science-fiction, mi-horreur, qui rencontre un immense succès commercial. Très vite, il est considéré comme un précurseur du cinéma de science-fiction, au même titre que le premier Star Wars, sorti 2 ans plus tôt, et aujourd'hui, il est considéré comme un chef-d'œuvre du cinéma tout court. 7 ans plus tard, en 1986, James Cameron réalise la suite, Aliens le retour, film autant acclamé que le premier, mais qui délaisse un peu le côté horreur pour faire place à plus d'action. 6 ans plus tard, en 1992, David Fincher réalise Alien 3, qui va rencontrer un bon succès, mais qui sera jugé un peu lent et manquant de sensations fortes. En même temps, le scénario a été modifié plusieurs fois pendant le tournage, donc Fincher a dû faire avec. Et enfin, 5 ans plus tard, en 1997, Jean-Pierre Jeunet réalise le 4ème et dernier opus de la saga, qui est personnellement un de mes préférés. Bien que plus violent et plus gore que les précédents, le film sera plutôt bien reçu et constituera une bonne fin à l'anthologie Alien, qui se sera étendu sur 18 ans. Look, it thinks you're its mother. En parallèle, en 1987, John McTiernan réalise Predator, dont j'ai déjà beaucoup trop parlé, mais qui en gros est un film où on retrouve également un extraterrestre qui massacre des humains et qui a eu un immense succès commercial. 3 ans plus tard, en 1990, Stephen Hopkins réalise Predator 2, qui sera jugé médiocre par la critique et qui rapportera pas beaucoup d'argent. Et c'est ce petit échec qui entraînera l'abandon de suites éventuelles et qui fera qu'on n'a pas revu l'extraterrestre au cinéma après ça. Ugly motherfucker. Du coup, on arrive en 2004, et vous l'aurez compris, faire une suite à une de ces sagas, c'est déjà un peu délicat, mais alors un crossover entre les deux, là c'est carrément audacieux. Surtout vu les réalisateurs qui sont déjà passés. Mais alors, est-ce qu'Alien vs Predator a réussi son pari? Eh ben c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, le film commence par un satellite qui capte une trace thermique en Antarctique, dans un secteur où il est censé y avoir personne. Suite à ça, le PDG de Weyland, qui est la grosse entreprise dans la saga Alien, découvre qu'il y a une pyramide à plus de 700 mètres sous la glace, et il décide de recruter toute une équipe pour partir en expédition là-bas. Il y a un guide polaire, des archéologues, des foreurs et des scientifiques en tout genre. Du coup, ils se rendent en Antarctique, et une fois arrivés au-dessus de la pyramide, ils remarquent avec stupeur un tunnel qui conduit directement à cette dernière, et qui n'était pas là la veille. Ils décident de l'emprunter pour descendre, et au même moment, on découvre 3 prédateurs dans leur vaisseau, qui s'équipent de leurs armes avant de tomber sur la banquise et de tuer l'équipe restée en surface. Pendant ce temps-là, le gros de l'expédition entre dans la pyramide et, sans s'en rendre compte, active un mécanisme qui sort une reine alien de sa stase cryogénique. Elle commence à pondre, et ce même mécanisme emporte les œufs dans une chambre rituelle, pièce que le groupe vient de découvrir, et qui va leur servir d'avant-poste. Ouais, ils pouvaient difficilement faire pire. Bref, l'équipe se sépare, une moitié reste là, et l'autre continue son exploration jusqu'à trouver un étrange sarcophage qui semble contenir des sortes de canons. Malgré la mise en garde d'un d'entre eux, ils les décrochent de leur socle, et ce faisant, enclenche un autre mécanisme qui va modifier les structures de la pyramide. Au même moment, les œufs arrivent dans la chambre sacrificielle, et ceux qui ont eu le malheur d'y rester se voient tous fécondés par ces charmantes créatures que sont les Facehuggers. Et de l'autre côté, le reste de l'équipe fait la connaissance d'un autre genre de créature, les Predators. Pendant la fusillade, la pyramide bouge à nouveau, séparant tout le monde en petits groupes, et c'est là que le film commence vraiment. Les Predators sont arrivés, les aliens sont sortis, la chasse peut commencer. Bon, je passe les détails, quasiment toute l'équipe se fait choper par des aliens, et on a le droit au combat tant attendu, Alien vs Predator. En voyant ça, et en lisant les hiéroglyphes sur les murs, les héros comprennent que tout ça n'est qu'un rite de passage, et que depuis la première civilisation, les Predators viennent sur Terre pour combattre les aliens, qu'ils considèrent comme leur proie suprême. Bref, le film continue, 2 Predators se font tuer, le 3ème se fait sauter dessus par un facehugger, et Alexa, l'héroïne, se retrouve seule après que le dernier membre de l'équipe se soit fait choper. Elle comprend alors que la seule façon qu'elle a de s'en sortir est de s'associer aux Predators, qu'elle sauve en tuant un alien. Voyant en elle une alliée potentielle, ils lui fabriquent un bouclier et une lance, et ils se mettent tous les deux en route pour mettre fin au rituel. Ils arrivent dans le nid alien, et le Predator envoie sa bombe au milieu des œufs, leur laissant juste le temps de s'échapper avant que tout explose.
Bref, du coup, ils sont à la surface, et alors qu'ils pensent en avoir fini, la reine alien qui avait réussi à se libérer de ses chaînes débarque, et le combat final commence. Le Predator se fait grièvement blesser, mais Alexa arrive à attacher une des chaînes de la reine à un château d'eau, qu'elle fait tomber de la falaise, attirant ainsi le dernier alien au fond de l'océan glacial. Du coup, le Predator est mort, et alors qu'Alexa se recueille, un vaisseau arrive, et ses congénères viennent pour récupérer son corps avant de repartir. Alexa, elle, retourne au chasse-neige, et le film se termine sur le cadavre du Predator, duquel sort un alien particulier qui a hérité de l'ADN de son hôte, le Predalien. Bref, du coup, le film est fini, et à sa sortie, le public était plutôt mitigé. C'est un terme gentil pour dire qu'ils ont chié sur le film. En effet, le film s'est fait défoncer par la critique, et pourtant il a rapporté 180 millions de dollars, soit le triple de son budget. Et à ça, je pense avoir une explication. L'alliance Alien et Predator est assez logique quand on y pense. Ce sont deux races extraterrestres prédatrices qui ont indirectement besoin des humains pour survivre. Et c'est ce qui, selon moi, rend le projet assez intelligent. Tout le monde veut voir un film qui oppose deux des méchants les plus emblématiques du cinéma. T'as pas vraiment besoin de promo, en fait. Il suffit de lire le titre ou de voir l'affiche pour piquer ta curiosité. Mais le problème, c'est que je pense que les gens ont été assez injustes avec lui. Bon alors attention, Alien vs Predator est loin d'être un chef-d'œuvre. La réalisation est vraiment bonne, il y a des plans très stylés dans le film, mais je dois avouer que le scénario est pas incroyable, il y a des références un peu lourdes, genre cette réplique. Et surtout, le plus gênant, les acteurs sont vraiment pas charismatiques, et plus particulièrement l'actrice principale. Alors vous l'aurez peut-être remarqué, mais le héros dans les films aliens est toujours une héroïne, la plus emblématique étant évidemment Ellen Ripley, qui à mes yeux est une des plus grandes héroïnes du cinéma. Bref, le problème, vous l'aurez compris, c'est que quand tu passes de ça... Get away from her, you bitch! À ça... You are ugly, mother... Bah c'est tout de suite moins bien. En plus de ça, son personnage est insupportable, donc ça l'est encore moins. Bref, du coup, même si le film a plusieurs défauts, il a malgré tout une qualité majeure. Et cette qualité, il la doit à Paul W.S. Anderson, son réalisateur. Faut savoir que même s'il est arrivé relativement tard sur le projet, il a beaucoup travaillé sur le scénario. Et une de ses volontés principales, c'était de ne créer aucune contradiction avec les deux univers. C'est pour ça que l'histoire se déroule dans un coin perdu en Antarctique, et que, sans compter certains clins d'œil fanservice un peu malvenus, il n'y a aucune référence aux autres films. Il a bien fait attention à créer une histoire qui se suffisait à elle-même, et qui surtout n'avait aucun lien avec les deux sagas. This whole thing was a trap. Without us, there could be no hunt. Et je crois que les gens se rendent pas compte de l'importance que ça peut jouer. Je vais peut-être en choquer certains, mais contrairement à beaucoup de monde, j'encourage les studios ou les réalisateurs à faire des suites. Je veux dire, pourquoi pas? Moi je veux continuer à avoir des films avec des aliens. L'univers est cool, on peut voir de l'action et de l'horreur, tout ce qui concerne leur reproduction est vachement original, et si jamais ça plaît pas à certains, les premiers films ils sont toujours là, ils vont pas disparaître. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le cinéma est constellé de suites ou de remakes, et les gens en peuvent plus. Et du coup, ils font parfois l'amalgame entre suite pour le fric et suite pour les bonnes raisons. Et ça m'étonnerait beaucoup que Paul W.S. Anderson ait fait ce film pour l'argent. Si c'était le cas, il lui suffisait de lire l'histoire aux autres et de faire toute la promo là-dessus, mais non, il a voulu faire son histoire tranquille, et il a foutu la paix aux deux franchises. Et pour moi, c'est totalement légitime. Non, là où j'en veux aux producteurs, c'est quand ils font des suites comme Prometheus ou Alien Covenant. J'aime bien rapprocher ces films au Jurassic World, parce que ce sont deux sagas qui ont été ramenées à la vie 15 ans après leur dernier volet, et qui ont pour seul unique but de générer du fric. Donc parfois ça peut être assez cool, comme le premier Jurassic World, mais le problème c'est que la plupart du temps ce sont des films hypocrites. Par exemple Jurassic World 2 ou Alien Covenant. Mais alors pourquoi hypocrites? Eh bien parce que ce sont des films qui utilisent tous les codes du blockbuster pour apporter beaucoup d'argent, mais qui l'assument pas, et font croire à un pseudo-message sous-jacent pour justifier l'existence d'une telle production. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec une histoire de gosses clonés dans Jurassic World 2, et de robots voulant dominer le monde dans Alien Covenant. Donc non seulement ça fout en l'air tout le scénario, mais en plus de ça, ça peut créer d'énormes incohérences dans tous les films de la saga. Du coup je pense vraiment qu'on a eu de la chance d'avoir un mec comme Paul W.S. Anderson pour faire ce film. Non seulement il a respecté les deux franchises, mais en plus de ça, il y a tout ce qu'on pouvait espérer. On voit autant les aliens que les Predators, on a droit à plusieurs combats entre eux, avec les humains au milieu perdus dans un labyrinthe géant, et surtout on a droit à une fin incroyable. Ça annonce un autre film avec un ennemi complètement inédit, qui mélange le pire des deux créatures. Le problème du coup, c'est qu'après cette fin, et après surtout les 180 millions de dollars de recettes, une suite a été réalisée. Et je pense honnêtement qu'elle a été tellement mauvaise que les gens se sont mis à détester le premier juste à cause d'elle. Ce film a réussi l'exploit d'annihiler tous les efforts de l'opus précédent pour détruire toute la cohérence de l'univers. Cette fois-ci, rien à foutre, on lâche des aliens en plein milieu des États-Unis, la population se fait décimer, un Predator est envoyé pour tuer le Predalien, et au final ça sert à rien vu que le gouvernement envoie un missile nucléaire sur sa propre ville.
Bref, Alien vs Predator Requiem est un film effroyablement mauvais. Au-delà d'être raté, le scénario est un gros manque de respect aux franchises, et vraiment, je me demande comment des producteurs ont pu laisser sortir une merde pareille. Les acteurs sont catastrophiques, la musique est dégueulasse, le montage à vomir, la réalisation j'en parle même pas. Et d'ailleurs, j'ai une question, le chef-op il était en grève ou ça se passe comment? Parce que là on voit que dalle en fait. Les trois quarts du film se déroulent la nuit, on comprend rien à ce qui se passe. Mais cela dit, je dois avouer qu'il y a un moment incroyable dans ce film. Ça dure 5 secondes, et c'est juste une réplique de la version française. En gros, dans l'histoire, on suit le groupe de héros qui essaie de s'enfuir de la ville avant que la bombe fasse tout péter, et puis là, sorti de nulle part... Ce plan est stupide! Quittons la ville en vitesse! On pourra jamais quitter la ville si on n'a pas d'armes, crétin. T'es trop con pour qu'on t'écoute, ta gueule. Voilà, ça sort de nulle part, c'est d'une violence incroyable, et ça me fait beaucoup rire. Bref, du coup, la saga Alien vs Predator est finalement assez dure à juger. Le premier volet a répondu à certaines attentes, le fond était bon, c'est plus la forme qui l'a pénalisé, et le deuxième, étant aberrant de nullité, n'a servi qu'à l'enfoncer un peu plus, vu qu'il s'est présenté comme étant sa suite directe. Mais malgré tout, pour ce qui est du premier, je pense que les gens ont été assez injustes. C'est très difficile quand tu mélanges deux univers déjà bien établis et bien distincts, d'être pris au sérieux. Et c'est pour ça que j'apprécie tant la volonté du réalisateur à ne pas se lier aux autres films. Certains pourraient prendre ça pour de la lâcheté et de la non-prise de risque, mais à ça je réponds que c'était déjà assez couillu de faire une suite à ces deux franchises, donc je pense qu'il faudrait mieux reconnaître l'audace et l'humilité du projet plutôt que de les lui reprocher. Mais bon, ceci étant dit, ce n'est que mon avis. T'es trop con pour qu'on t'écoute, ta gueule. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Alors vous vous dites peut-être que j'ai beaucoup pris parti dans mon analyse du film, mais j'avoue qu'en me renseignant dessus, j'ai vu que les gens étaient assez cruels avec lui, et je pense vraiment pas qu'il le mérite. Enfin bon, sur ce, je vous dis au revoir, et à bientôt.